Sale temps pour les gros. Il y a une compagnie aérienne finlandaise qui a décidé de peser les gens avant la montée en avion pour savoir s'il n'y a pas trop de poids dans l'avion. Moi j'ai juste un truc à dire, ils ont qu'à faire rentrer moins de gens dans l'avion, il y aurait moins de problèmes, mais comme ils veulent absolument des thunes, on risque notre vie quand on prend l'avion, voilà. Surtout quand on est un peu en surpoids, comme moi. Alors bon, on a de la chance parce que les pesées elles sont volontaires et anonymes. En parlant de moi, je pense qu'il y a peu de personnes en surpoids comme moi qui vont dire « Ah moi j'aimerais bien être pesé pour savoir si je suis pas un gros sac parce que j'ai mangé 20 burgers avant de venir. » Simplement, non, bah non. Alors moi ce que je savais pas, c'est quand t'es un peu en surpoids comme ça, tu peux réserver une deuxième place avec 25% de remise. Sympa. Et ils disent, c'est précisé, aussi les musiciens, s'ils ont un gros instrument. Et je me demande, et si t'as un gros... Bon bref, en tout cas, ça veut dire que toi, en tant qu'être humain, t'es un simple instrument, t'es une grosse guitare. Voilà, t'es une grosse guitare. Avec ça, t'sais, c'est la fin des mecs qui mettent 4 manteaux, 4 pulls, 4 slips sur eux pour pas payer une valise dans leur soute, tu sais. En fait, les mecs, ils se la jouent au Disneyland où t'as une taille maximale pour rentrer dans l'attraction, là, sauf que c'est le poids. Maintenant, tu vas avoir le choix, soit tu prends l'avion, soit tu fais un stage de remise en forme dans l'aéroport. Tu cours tout autour comme ça du duty free. Je me demande si en même temps qu'ils te pèsent, est-ce qu'ils te font tous un check-up, tu sais, genre ils prennent ta tension, ils te mettent un doigt dans le cul, enfin voilà. Vous faites pas ça pour un check-up à votre médecin? Mais il est bizarre, mon médecin. Et ils font quoi quand il y a trop de personnes en surpoids, hein? Ils les mettent dans un ring et puis ils doivent se battre? C'est ça? Et ils le filment et ils le mettent sur TikTok pour que ça leur fasse des thunes? Voilà, on vit dans un monde extraordinaire qui n'est pas adapté à tout le monde. C'est dommage.